Maëva? Nous voici. Nadjina? Nous voici. Gaetano? Nous voici. Myriam? Nous voici. Claire? Nous voici. Narcisse? Nous voici. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Dieu donne sa lumière à tout homme, à toute femme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi. Faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêt à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, je suis prêt. Et vous qui accompagnez ces candidats et qui les présentez à l'Église, et vous tous aussi qui les entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Oui. Comme un trésor. Recevez sur votre front la croix du Christ, c'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug de la bonne nouvelle du Christ. Je
Christ. Je vous marque tous du signe de la croix. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur.